Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tales of Symphonia. Trop bien. On va avoir une scénette, les points liés. Dis-moi, Rigal, pourquoi gardes-tu ce minot? Elle symbolise mon crime. Un crime symbolisé par des menottes? Ah, je sais, t'es un voleur de menottes! Ah, c'est pas ça. Tu t'es amusé à mettre tes menottes à tout le monde? Désolé, j'aurais dû être plus clair. Oh, mais quel crime a-t-il donc commis? Il s'est trop régalé dans sa vie. Doug n'a pas trouvé. Regarde le chien, on lui a pas parlé au chien, Ah si, lui, mais c'est l'autre là-haut, il faut monter. Non, pas encore là. Tu sais, l'endroit où j'ai acheté des peepers. Ok. Tu vois, j'ai pas parlé à ce chien. C'est Sally! Tu vois, là, on peut leur parler et voir qu'on leur a déjà parlé. Parce qu'il y a le nom. Sally. Mais quand on a déjà parlé à une fille... Eh ben, elle te reparle pas. Oh. C'est aussi simple que cela. Je peux aller par là. Mais oui, tu peux y aller. Ce sont aussi des invités. Des porteurs. Oh, je vois. Précia, il faut que nous te fassions s'articler. J'ai du travail. Au revoir. Oh, magnifique, elle ouvre la porte avec la force de son esprit. Seul Précia est habilité à recueillir le bois sacré servant au rite de l'église. Je suis content qu'elle soit enfin revenue. Oh, il a disparu. Cet individu, c'est un demi-elfe. Vraiment, c'est un Desirens alors. Maintenant que vous le dites, nous n'avons pas déjà rencontré à Mel Tokyo. Il me donne de la chair de poule. Je suis d'accord, mais je dois avouer qu'il me fait un peu de peine. Eh bien oui, il doit affronter la concurrence d'années d'une beauté exceptionnelle telle que votre serviteur. Moi je dirais que vous êtes pareil. Je t'ai entendu, petite teigne. Quoi qu'il en soit, il nous faut parler après CA. Ouais. Oh, regarde, elle fait... Une sculpture en bois, elle est en train de faire Lloyd. Ah bon, carrément. Bah oui, mais tu veux qu'elle fasse qui d'autre? Tu sais, elle connaît d'autres personnes. Non. Ouais, elle connaît Rain et Colette. Cette odeur, ça sent Précia. Oh, regarde, il y a des toiles d'araignée. Elle est devenue folle. Regardez. Oh, si elle sait... Quelle horreur! Ouais. Vache, ça craint! Pardon, je croyais que c'était Génis qui parlait. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Ah, c'est la même voix, c'est pour ça. Ce sont sûrement les effets parasites de l'ex-sphère. Précia n'a aucune idée de ce qui est arrivé à la personne qui se trouve dans ce lit. Comment est-ce? Précia, tu ne viens pas avec nous. Il faut... J'ai du travail. Laissons Précia ici pour le moment. Ah bah c'est pas très sain, dis donc. Ici? Si nous tentons de la déplacer, elle risque de se défendre. Allons voir Altessa sans elle, pour lui demander de réparer le serticlé. Ouais, allons-y. Et du coup c'est... Ah oui d'accord, carrément. Scolate yeah. Le troll d'invité de Tessa, il était de Mel Tokyo, pas vrai? Ouais, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens l'odeur du sang sur lui. Allons vite chez Altessa! C'est dangereux de laisser Précia avec lui. L'odeur du sang, ça me donne envie d'éternuer. À tes souhaits. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu devrais parler à Précia avec Zelos? Est-ce que je peux parler à Précia tout court? Non, jamais! Salut beauté. Trois petits points. Précia vous a donné une grande hache. Ah bon bah d'accord. Colette, ça va? Ah oui, j'ai trébuché. Quel mal à droite. Et tu t'es pas fait mal au moins? Non, ça va. C'était important de noter qu'elle trébucha en sortant d'ici. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de sortie en fait. Ah si, oui, c'est là en fait. Ah, ouais, okay, c'était à côté.
Bienvenue chez Altessa, le seul... j'allais dire le mage, mais c'est pas un mage. J'arrête pas de dire elle, parce que ce nom fait tellement féminin que je ne sais pas. Ah, mais tu le sauras bientôt. Bon, je regardais s'il y avait des trucs, y'a rien. Ah bah tu vois, finalement t'as eu raison. Non, c'est ta bata. Qui est là? Ah, excusez-nous, on nous a dit qu'un nain invitait ici pour nous voir. Vous souhaitez rencontrer Maître Altessa, veuillez entrer. Ah bah désolé, hein, il ressemble à Dirk. Ah bah c'est un nain en même temps, ça n'existe pas un nain femelle. Qui êtes-vous? Je m'appelle Lloyd, nous sommes ici pour aider Pressera, c'est Kate de Sibak qui nous envoie ici. Partez. Quoi? On ne veut plus entendre parler de cette fille, sortez de chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je vous présente mes excuses. Le maître ne veut pas avoir affaire à Pressera. Pourquoi? Il suffit de savoir qu'elle risque de mourir. Ce n'est pas cela. Le maître regrette ce qu'il a fait. Alors par pitié, il faut nous aider à sauver Pressera. Tout ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui répare son certiclé, pas vrai? Je ne suis pas sûre que ce soit dans son intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de pire que de vivre dans des conditions aussi cruelles en attendant son heure? Si vous êtes aussi inquiet, il vous faudra chercher du minerai inhibiteur. Le certiclé de Pressera n'est pas en minerai inhibiteur? Exact. Son certi est... Tabata, que fais-tu ici? Renvoie-les! Je suis désolée, je dois y retourner. Revenez nous voir, je tenterai de le convaincre. Oh, elle est gentille, elle se rebelle contre son maître. Écoute... C'est un robot, hein. Ou alors elle parle très bizarrement. Elle parle juste en majuscule, ça arrive. Ah, oh, pardon. Tu sais, c'est les coucous sur internet, aussi. Tout le monde le fait. Où trouverez ce minerai inhibiteur? J'ai entendu dire qu'on extrait des montagnes qui s'étendent entre Altamira et la forêt d'Ymir. Je souhaiterais vous aider à créer un certiclé pour Pressera. Je peux vous conduire à la mine. Qu'est-ce que tu as à voir avec Pressera, au fait? Rien. Tu as pourtant l'air de tenir à elle. Bien, puisque t'as rien fait de suspect jusque-là, tu veux venir avec nous. De toute façon, t'es notre cuisinier, donc voilà. On trouve le minerai inhibiteur relativement près de la surface dans la mine d'Exphyr. La mine que je connais se trouve sur l'autre côté de la mer, sur le continent sud. Tu parles d'Altamira, n'est-ce pas? C'est un endroit charmant! On pourrait s'y arrêter en passant. On n'a pas le temps à perdre dans un parc d'attractions! La mer, on va encore naviguer! Ok, allons-y! Oui, pressons! Pressons, Pressera, haha! Non, c'est plus pour Pressera. Enfin, au moment que ça me démange, je tiens un petit moment. Est-ce qu'on se serait pas déjà vu quelque part? Mais si, tu te souviens pas, je t'ai écrasé dans les égouts. Oui, mais t'inquiète, Delos, je me suis régalé en te frappant. Sois, ignore-moi, c'est pas très gentil, tu sais. Est-ce que Tabata est un ange? Non. Cette fille, Tabata, un nom un peu bizarre, je trouve. C'est Tabasa, Tabata. Ah bon? Parce qu'un japonais sait pas dire ta. C'est pour ça que ça commence par ta. Peut-être qu'elle ne respirait pas. Quoi? Tu veux dire qu'elle était en apnée? Vraiment? Apparemment, oui. J'imagine qu'elle a pu suivre un entraînement pour respirer sans silence, mais. On ne dit pas que c'est un ange, elle aussi. Elle n'a pas l'air d'être méchante. On n'est jamais trop prudent. Est-ce que vous êtes tous des idiots? Non, on s'est régalé, il s'est bien régalé en nous disant des bêtises. Allez, allez, Isogué! Non! Tu veux aller acheter des poivrons? Non! Ah, bah si, là je l'ai vu, là dans tes mouvements, Colette, elle adore les poivrons en plus. D'ailleurs, du coup, en faisant ça, j'ai diminué le bonheur de Colette, hein, mais. Ah, bah oui! Mais c'est régal, c'est la faute de régal, c'est pas la mienne! Utilise ta cervelle, bon sang! Des wins d'Exphyr, hein, je vois. Quoi? Et alors? C'est quoi le problème? Tu dois sûrement être au courant, toi aussi. Les mines d'Exphyr dans les environs d'Altamira, qu'est-il là-bas, à part la mine de la vallée de Toys? Ah, celle qui est reliée dans un tunnel jusqu'à Moria. Le petit Moria, le petit fromage, Le
fromage. C'était pas toi qui me disais que Moria... Non, rien à voir avec du fromage. Non, toi, tu l'appelais le petit Moria. Non, c'est pas moi qui l'appelais le petit Moria, je l'appelais du Moria, comme tout le monde. Du Moria, c'est pas du fromage. Enfin, c'est pas toi qui me disais du Moria, c'est du fromage. Non, c'est pas du tout ça l'histoire. C'est quoi alors l'histoire au courant? C'est que je jouais à The Wind Waker et il y avait mon petit frère qui me regardait et je disais... Enfin, j'en étais au moment où il fallait chercher du Moria dans la mine. Et dans la mine, pardon. Du coup, mine, Moria, tu vois. Je confonds tous les univers. Bref. Et je disais à mon frère, il faut que j'aille chercher du Moria. Et puis voilà, je me balade dans la mer et tout. Et à un moment, il me dit, tu dois faire quoi? Ah oui, tu dois aller chercher le petit Moria. Parce qu'il pensait que je disais du Moria. Au lieu de... Tu devrais peut-être prendre le bateau là-bas. Bah ouais, et puis ils ont dit, il faut prendre le bateau. Enfin voilà. Et c'est moi du coup qui disais que du Moria, ça faisait penser à fromage. Mais c'est pas moi. Du Moria, ça sonne du fromage, tu vois. Mais non. Du Moria, du miam miam miam, du Moria. Ah, je vois. Mais non. Si tu devais donner un nom de fromage à ce truc là, enfin si tu devais donner un nom d'aliment à Moria, moi je dirais que ça serait du fromage. Non, on a appuyé sur Select. Oh, garde un franc tireur. C'est pour moi le franc tireur. Mais pourquoi c'est ça sur le côté? Il est mort déjà? Bon bah ok, là il... Ah, j'ai eu du pain. Je vais laisser Colette. Oh mince, du coup j'ai perdu ma sienette. Bon, t'inquiète, c'était juste pour une sienette de dire qu'elle était ça. Alors Colette, c'est-elle bien conduire un bateau? Alors je sais pas où je vais, hein. Je vais au sud. Regarde, il y a une pierre pour Neusch. Eh bah tant pis pour Neusch. Il a l'air de faire froid ici. J'avoue, je peux tellement aller n'importe où. Je crois que je me trompe. T'inquiète, si tu tombes sur une zone où les mots sont trop forts, tu le verras. J'ai l'air de partir un peu n'importe où là. Tu vois, elle est revenue, t'as, c'est net. Dire ou d'Altessa, je me demande qui est le meilleur artisan. Comment le saurais-je? Bon, autant que je sache, Altessa dispose de techniques plus élaborées. Le cœur est plus important que les techniques, papa n'abandonnerait jamais quelqu'un dans le besoin. Tu te fâches car c'est de ton père qu'il s'agit. Bah ouais, non, ne s'il te pas Dirk. Regarde, ça te rappelle pas le bateau de Skyward Sword en parlant du petit Maria? De Skyward Sword? Ah, de Skyward Sword. Oui, je vois. Mais je me suis perdu dans les archipels. Oui, ce sont des îles. J'aimerais sortir de là. Y'a pas de pont. Quelle idée aussi. Désolé. Mais non, mais je veux pas aller là, je veux aller là. Ah, ça a l'air cool ici. Est-ce que je peux m'y arrêter? Non. Y'a pas de ponton. Le mal du pays. Est-ce que les nains sont aussi peu nombreux à Tessa? Altessa est le seul que je connaisse. Que lui, il doit se sentir isolé. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je me demandais ce que faisait papa en ce moment. Je me demande ce que papa est en train de faire. Hé, mais dire que c'est pas genre le seul nain de... Hé, ça va! Il se sent seul, c'est pour ça qu'il a recueilli Lloyd. Il en a fait un petit nain qui est plus grand que lui. Plot twist, dire qu'il a été ça son frère. Plot twist, Lloyd c'est un nain. Ah mais ça on en doutait pas. Un nain géant, mais un nain quand même. Waouh, il y en a des choses. Vas-y, je me souviens pas où il faut aller. Hein. Moi je vais au sud, hein. J'en ai rien à faire. J'ai peut-être dépassé l'endroit. Le jeu il m'a dit, on va au sud, alors je vais au sud. Regarde là, il y a des trucs. De toute façon, si je vois une île avec un parc d'attractions, c'est que c'est bon. Regarde, une île qui vole. Deux élus. Pour deux fois plus de fun. Ça te dérange, Colette? De quoi? Tu sais, être élu. C'est ta vie! Tu penses que tu as le droit de la vivre comme tu l'entends? Je suis libre! Tout le monde cherche un moyen d'éviter mon sacrifice! Mais. S'il n'y a pas de moyen. Nous verrons le moment venu! Et même si mon corps ne m'appartient plus, mon cœur restera libre! Puis elle est en connaissance de cause, elle l'a déjà perdu son corps! Le monde sera un endroit où on vivra heureux! C'est ce que mon cœur désire. Extraordinaire, Colette. Jamais je ne serai comme toi. Bah non. C'est normal, moi je suis une fille, toi t'es un garçon, tu peux pas me ressembler. Si ça devait se passer comme ça, je suis sûre que je ne pourrais pas le faire. Eh, je suis une élue qui fait peine à voir. Non, j'ai raté. C'est fantastique. Par rapport à toi, je... J'ai rien fait. Je me suis encore trop décalé. T'inquiète pas, tu vas le trouver ton ponton. Là, il y a un ponton. Tu veux qu'on débarque ici pour voir? Vas-y. On va bien rigoler. Parce que c'est pas du tout là. En plus, voilà. Je suis vers le ponton. Rond apparaît. Merci.
Bienvenue dans cette île mystérieuse où je ne devrais pas être. Allez, on va voir, on va voir. Alors déjà, ça ressemble à des gros machins. Bah, tu vois, ils sont morts quand même. Visiblement, ça va, hein, c'est pas trop difficile. C'est juste un échauffement. Je sais pas si je vais dans la maison parce que ça sert à rien. Je sais pas s'il y a des événements qui vont se déclencher là-bas. Je sais ce qu'il y a là-bas, entre guillemets. Je sais pas s'il y a des trucs qui vont se presser si tu vas. Pourquoi ça concerne Zelos, cet endroit. C'est la maison cachée de Zelos. C'est la résidence secondaire de Zelos. On peut entrer ? Ah, si. Oh. Bon, bah, y'a rien visiblement. C'est pas le moment de faire ça. Ah, y'a une dame, tu peux lui parler avec Zelos. Oh. Cool, de l'argent. Ah, cool, encore une fille. Oh non. Une pomme de terre. Oh non, je ne dois pas te donner cette pomme de terre. Ah, qu'est-ce qu'il est devenu lent, Zelos ? Il a toujours été lent, Zelos. Il est trop relax pour ça. Bon, bah, il est temps de partir t'amuser. Ah, si, y'a un point bleu là-bas à gauche. Ah. Ok, Zelos. On l'a vu, hein. Il était encore. On l'a abandonné, Zelos, en fait. On n'en veut pas. Reste dans ton abbaye. Tu vas devenir une religieuse, Zelos. Regarde, là, une forêt. Mettre là, hein. Je pense que c'est là. Je crois qu'on doit traverser une montagne, en fait. Donc ça se trouve, c'est là, c'est bon. Ah ouais, ouais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est bon. T'as trouvé le bon chemin, bien joué. Ah bah, c'est les mêmes monstres, du coup. Attention, tu vas te faire paralyser. Jamais. Ah, mais il y a Zelos avec nous, j'avais pas vu. Ok, 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 je suis où, là? Je suis où? J'avoue. Je suis en train de faire... Ah, ah, mais je te vois pas. Laisse le tranquille, reine. Yay! Tous sur le petit scorpion. Mais oui, en fait, je suis perturbé parce qu'il n'y a plus mes paraboles sur les côtés. C'est les plumes de l'ange, maintenant. Bah, tu peux les remettre. Oui, hein. Je sais, mais je ferai ça une autre fois. Ah, regarde, là-bas, on dirait une entrée de mine. Il nous a bien guidés, Régal. Franchement, ouais, rien 20 sur 20. Rien à dire. Heureusement qu'il était là. Hein. Je sais pas ce qu'on aurait fait sinon. Bienvenue dans les mines de la vallée de Thouars. Ah, 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 wow. C'est ça la mine condamnée. On dirait qu'il va y avoir un fantôme ou deux. Mais je pourrais jouer Sheena au lieu de jouer Colette. Mmh. Ah, tu veux pas rester tranquille une seconde? C'est quoi ton problème? T'énerve pas, Sheena. Je le sens mal. Qu'est-ce qu'il y a, Régal? Le système de surveillance de la porte est hors de contrôle. Quelqu'un a dû l'endommager en essayant de passer par force. Bah, on a qu'à le détruire complètement. Tu l'as eu tout craché, au moins c'est facile à comprendre. Oui, moi ça me convient aussi. Si Lloyd l'a dit, alors ça me va. Là, là, les fangirls de Lloyd. Vous êtes sûr? Juré. Ah bon. Ah, le boss, et on n'a pas son cardé. Depuis longtemps. Après toi, est-ce que je fais des Angel Feather? Sur quoi d'ailleurs, hein? Je verrai. Oui, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu attaques, Lloyd? Est-ce que je peux changer de... Oh! Pam pam pam! Vas-y, je vais en faire plein! Parce que c'est une musique de boss. Qu'est-ce qu'il fait, Zelos? Pourquoi il est parti? D'ailleurs, le petit monstre... Personne ne va l'attaquer. Et regarde, regarde, regarde là. C'est tellement bien fait que je peux pas passer. Parce que y a ce truc. Je suis obligée d'attaquer ce truc. Ou alors de faire des Angel Feather. Ah, peut-être que oui, je peux passer par-dessus. Ah. Attaquer la porte. D'ailleurs, c'est rigolo, hein. Ils nous ont dit... Ok, voilà. Moi je suis dans la porte, attention, magnifique. On va regardez et chercher Lloyd. Oui, je vois. Ah bah, c'est Zelos qui vient faire des bêtises avec moi. Bon, il faudrait le truc, là. Qu'on protège. Attends, c'est moi, mais j'arrive pas. Ah, voilà. Regardez-moi ces idiots qui sautent partout. Oui, je trouve ça rigolo de dire on va casser la porte et on fait vraiment combat pour casser la porte. Je trouve ça génial. Moi, j'aime bien rentrer dans les piliers. On dirait que Zelos, il a du mal à battre le petit robot. Je sais pas ce que je fais, moi, mais... Il faisait plus de dégâts en faisant des Angel Feather. Ok, je peux pas faire de... Ouais, on s'amuse bien. Regarde, là, je montre un peu le terrain. Là. Ça, le joueur solo, il le voit pas, hein. Vous allez tous mourir. Je suis bloqué là. Je peux même pas partir. Ah si, je peux faire ça. Regarde, il y a des piliers, ils veulent m'attaquer. Allez. Oh, elle a plus de magie, Rain. Je
Quel combat passionnant. Je me demande si ça sert à quelque chose de tout casser. Je sais même plus à quoi ça sert, ça. C'est un système de défense. Non, c'est ça le système de défense, ok. Bon, Rain est en train de te suicider, là, t'es contente. Attends, moi je vais me mettre mon truc parce que ça commence à m'agacer. T'aimes pas faire des plumes d'ange? Jamais comment on est en train de faire n'importe quoi d'ailleurs. Pas grave, regarde. Je vais même lui faire des pics au rein pour lui dire à quel point je respecte cette porte. Et mince, elle est morte! Mais elle est sérieuse, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, je regardais la porte. Bon, visiblement, je vais peut-être m'occuper de ça parce que visiblement, Rain elle meurt. En même temps, Rain, si tu venais pas dans les piliers aussi. Mais même Zelos, il est mort. Trop dur le combat. What? Ah, bon, ok, tu me fais reculer. il est trop fort, Zelos. Je sais pas si ça aurait quelque chose d'attaquer les petits robots, ils reviennent. Est-ce qu'on les répare ou je sais pas quoi? J'avoue, toi, là, Rain, tu veux pas analyser cette porte? Ah non, non, ça n'a plus de magie. Ah là là. Je peux pas analyser ce truc! Merci, Rain. Faudrait vraiment qu'on achète des fioles, enfin, non, pas des fioles, mais... Des loupes magiques. Des loupes magiques. Bon, bah... Et tu sais quoi? On n'a jamais ressuscité. C'est l'os. Regarde la magnifique grimace derrière, là. Eh, hey, beau travail tout le monde. Ouais, c'est lui qui dit ça alors qu'il est en train de dormir par terre. Il faut récupérer le je sais plus comment ça s'appelle. Le minerai inhibiteur. Ouais, c'est ça, allons, on y va. Ils sont violents tous. Ah, oh, c'est nous qui devrions avoir les poings liés, c'est ça. Je peux pas le bouger. Ah non, si. Ok, meurs dans ton coin, Zelos. C'est trop triste, il va plus gagner d'expérience. Tu veux qu'on le ressuscite? Allez, sois gentil avec lui quand c'est même. C'est dans capacité? Non, c'est dans tech. Tech, tech. On sait jamais, on aura peut-être besoin de lui un jour, tu vois. Ça serait bien qu'il ait un niveau convenable quand même, mais pas qu'il reste. Ah, j'ai envie de voir ce que c'est. C'est un piaf. Oh, on a des basiliques, des noctules rouges et des monticules rouges. Oh, j'ai raté mes petits ressources, j'ai trop de tristesse. Non, 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 on va pas invoquer Corrie. Oh, purée, les bruits. Moi je dis qu'on a fait le meilleur combat contre la porte quand même. Ah, c'était beau. Hein. Toute l'existence de YouTube, je crois qu'on a jamais vu des gens affronter cette porte de cette manière. Mais bon, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et du coup, je peux le... Oui. Bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je l'ai activé, je sais même pas ce que c'est, il y a même pas de cinématique pour que tout le monde s'interroge sur ça. Moi, j'appuie sur le bouton, ça marche. Examiner, tu peux examiner. Pardon. La machine de cette mine paraît solide. Cette mine date des temps anciens. Ces machines aussi sont de cette époque. Quoi? Au lieu de préserver ces reliques, on les utilise encore ici? Bien, je suppose qu'on peut le voir comme ça. Sacrilège, on peut pas permettre une chose pareille! Qu'on conduise un responsable immédiatement! Je suis désolé. Je crois qu'on pourrait sauter par-dessus de ça. Non, ce rocher nous en empêche. Lloyd dit, il en a rien à faire. On peut pas le casser. Trop bien, j'ai arrêté la machine. What? Attends, il a repop lui? Oui. Moi que tu puisses le détruire quand même, je sais pas. Pourquoi les machines fonctionnent-elles? C'est une mine automatisée, alors elles tombent toutes seules. Oh, je comprends. Pas tout, mais ça a l'air pratique. Ah, il faut que je démonte tout ça et que j'analyse les moindres rouages. Non, bon, faisons pas attention à elle. Où est le minerai inhibiteur? Le tunnel conduisant au minerai inhibiteur est droit devant. En prenant l'ascenseur, on devrait y arriver. Me dites pas que ça, c'est un... Je crois qu'on pourrait sauter par-dessus ça. Ok, Lloyd. Garde. Ouais, non, tu veux pas. Je fais des poules de feu dessus. Euh...
Mon truc va pas assez loin. Hein. Il y a un petit ascenseur là, effectivement. Aïe, aïe, il y en a... Ah il a mis le temps, mais il est arrivé finalement. J'ai tu raté. Vois. Est-ce que je suppose que ça sert à rien que j'aille ici? C'est pas grave, il doit avoir des trucs, des coffres à trésors, des trucs magiques. Au revoir. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Ça te ressemble pas. Le cap de la plateforme se sépare en deux au milieu. Je me demande où ça pouvait bien mener. Oh, c'est simple. Et régale, explique-nous un peu ça. Ça mène un vieux tunnel, l'aiguillage au milieu fait bifurquer la nacelle, mais... On peut pas l'atteindre facilement. Ce levier, c'est l'interrupteur, c'est ça? Est-ce qu'on peut pas le toucher avec quelque chose? Quelque chose? Quoi donc? À ton avis! Ah bon bah... Comme ça, c'est fait. Waouh, il est énorme ce rocher! Eh, on ne peut pas continuer comme ça! Et maintenant, monsieur Régal! Au cas où quelque chose de ce genre se produit, un objet spécial a été laissé dans cette mine. Désolé, il va falloir retourner dans le tunnel précédent. Ça devrait être quelque part par là. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bon, allons-y. Je croyais que tu faisais des coups de pied de la mort. Eh, m'abandonnez pas. C'est moi où il a changé d'avis. Il a changé depuis qu'on est arrivé ici. Oui, il a changé d'avis, oui bien. C'est trop long d'attendre. En plus, je vais devoir faire un aller-retour parce que le machin, je peux pas le toucher d'ici. Eh, t'es plein pas. Si tu le rates, c'est encore pire. Ok. Regarde les cheveux de Colette qui rentrent dans elle. Magnifique. Nouvelle coupe de cheveux. Oh, bah, j'ai même pas tourné. Enfin, si. Bah, non. Ah, tu peux descendre, il y avait des coffres en bas. Zut, il y a une porte ici aussi. Du calme, le minerai inhibiteur n'est pas par là. Tu sais ça? J'ai travaillé dans cette mine avant. Je vois, alors continuons. J'ai travaillé dans une mine. Ouais, c'est ça. Zelos? Non, oh, rien, je parlais à moi-même. Bon, allez, Lloyd. Et donc, ma jolie Précéa. Ok. Ce vent. T'es sûr que tu veux descendre maintenant? Ça a l'air d'être le bon chemin. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. À gauche, il y a un gros caillou et en haut, tu peux pas avancer, en fait. Donc, ça règle tes problèmes. T'as vu le coffre là-haut, là? Ouais, je l'ai vu. T'as vu un autre coffre là-haut, là? Attends, on ira après. Lui, il dort. Le sabre des sables. Oh mince! Ah, t'as une carte de feu, c'est vrai. Ça va bien? Ah, c'est quoi ça là? Des gastéropodes! Magnifique! Allez, viens, Colette, tu peux attaquer, tu sais, avec tes shurikens! J'aime bien parce que je fais mon pire saut, mais non. Parce que le pyrosso, c'est oh pas là bien. Là, est-ce qu'il va m'attaquer? Une rapière sacrée. Bon, il monte pas. Il non, monte pas. Non, non, il fait semblant. Ah, voilà ça. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Essayons voir. Attends. L'anneau du sorcier a été utilisé ici pour faire sauter le rocher. Fais attention en l'utilisant. Faire sauter comment? Lorsque tu utilises l'anneau du sorcier, une boule de mana condensée se forme. 3 secondes plus tard, la boule de mana explose. On sera pris dans l'explosion si on est à côté à ce moment-là. D'accord, je vais être prudent en l'utilisant, alors. Tellement que je vais le donner à Colette. Vite, non! Et voilà, tu t'es fait... Ah, carrément une bombe! Une bombe! Ah, je peux en mettre une. Je me demande ce que ça fait. L'anneau qui fait boum! Ces bombes sont faites de pur mana! Oui, je connais pas tous les détails, mais il semble que ça marche comme ça. J'aimerais disposer d'un sort comme celui-là! Ouais, on ne peut pas briser les rochers avec des boules de feu ou en tripapetouillant des boutons! Je peux te faire crier comme une saucisse! Tu veux essayer? Et stop! Ah, tu pourrais poser une bombe là! Oui! Dans l'ascenseur! Est-ce que tu vas créer un raccourci? Oui! Oh! Oh, oh le golem de pierre! J'attaque les vers à la place. Ah, j'ai gagné! Vas-y, je voulais me battre contre le golem moi aussi! J'ai gagné!
Pour la peine, je fais tout exploser. Ah, c'est moi qui suis confuse. C'est toi qui t'es fait exploser. Ah bon. Ouais, c'était bien. Tada! Et maintenant, on peut sauter. Ah, quelle classe. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Tales of Symphonia. Et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Ah, quelle classe.